Welcome, bienvenue, welcome. I'm the Associate Executive Director of Canada FBM 2021, who has curated this awesome literary programming and the design for this beautiful pavilion. I think you will agree with me. We are pleased to have um, an honored, I should say, and also lucky today uh, in our series on preserving uh, culture and languages, Michel Jean in a conversation moderated in French by Routard Steblein. So if you need a headset, please, they are to my left. Et à la fin, and at the end of the discussion, there will be a book signing five minutes after the session in the foyer. Donc, sans plus tarder, j'inviterai nos invités sur scène et je vous souhaite une excellente séance. Vielen Dank. Bonjour mesdames, messieurs. Préserver les langues et cultures autochtones du Canada est un des propos de notre conversation. Les langues dites mineures sont en train de disparaître. Pour les sauver, il faut d'abord connaître les gens qui l'ont parlé. Ce que fait Michel Jean. Bienvenue Michel Jean. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci. Euh, Michel Jean, issu de la communauté autochtone Inou et écrivain en français, a publié un roman sur son arrière-grand-mère Almanda Siméon. Roman qui a connu un grand succès au Canada. Euh, vous m'avez dit plus de 100 000 exemplaires. Plus même... de 110 000. Mais on espère faire mieux en, en Allemagne. Ah, bien sûr, euh, les euh, euh, éditeurs de Visafalak en Autriche sont là. J'ai vu également votre traducteur euh, qui a yes. fait ce grand travail de traduction. Euh, et euh, euh, votre euh, roman euh, s'appelle, son titre c'est Koukoum, qui signifie grand-mère right. en langue Inou. Almanda a des racines irlandaises et tombe amoureuse d'un Inu à l'âge de 15 ans. L'épouse va à la chasse avec lui, a huit enfants avec lui. Elle s'adapte à la dure vie semi-nomade, apprécie la liberté de la nature, mais doit aussi subir la destruction progressive de sa culture Inu par la colonisation occidentale. Ainsi, ces petits-enfants sont obligés d'aller dans un pensionnat très éloigné. L'un meurt. Au Canada, après la découverte récente d'ossements d'enfants indigènes aux alentours du pensionnat, il y avait un mouvement de contestation autochtone sous le signe Idle No More, ne restez pas inactifs sans rien faire. Dans votre roman, vous... Euh, dessiner euh, la biographie, l'évolution de euh, cette nouvelle Inou euh, adaptée à cette euh, culture qui n'est pas la sienne, mais euh, cette euh, Almanda défend euh, oui. avec toute sa vitalité oui. euh, cette euh, nouvelle culture. Qu'est-ce qu'elle aurait dit, cette Almanda, à ce propos mm. nouveau, à ce mouvement euh, de protestation ben, je pense qu'elle aurait été un leader, parce que déjà à son époque, mon arrière-grand-mère, quand je parle avec... Moi, je l'ai connue, elle est décédée quand j'avais 17 ans, mais tout le côté politique, c'est pas le genre de choses dont on parlait avec elle. Pour nous, c'était grand-maman Simeon, mais euh, j'ai parlé souvent avec... Elle, elle était très vieille aussi, moi, quand je l'ai connue. Et je parlais souvent avec les, euh, les gens qui l'ont connue. Quand je vais à Machuyas, les, mm. les gens se souviennent très bien d'elle. C'est quelqu'un qui a marqué la communauté. Quand on a sorti CoCom en 2019 au Canada, on avait fait un lancement au musée de Machuyas. Puis il y avait plus de 100 personnes. C'est une petite communauté qui sont venues. La directrice du musée m'avait dit, merci d'écrire un roman sur une femme aussi importante dans notre communauté. Mm -hmm. Puis ça m'avait touché parce que ça me rappelait qu'effectivement, tu sais, Almanda Smeon, c'est quelqu'un qui a marqué euh, son époque. Puis donc, elle, était elle a adopté le mode de vie traditionnel des Inuits. Elle a appris la langue. Elle est devenue Inou. Pour elle, elle était Inou. Il n'y a pas personne qui, pour qui Almanda n'était pas Inou. Euh, et quand, quand ils ont été forcés de revenir et de s'installer pour de bon... Euh, Machtoyas, c'est que c'était impossible d'aller dans le territoire. Dès le départ, elle insistait pour que la famille fasse de l'artisanat. Mm -hmm. Bon, tu sais, ça veut de l'artisanat, ça peut paraître un peu euh, la, léger parce que bon, tu sais, on vend ça aux touristes. Mais pour elle, ce qui est important, c'est qu'elle disait que si, par exemple, faire un panier en écorce, c'est mm -hmm. beaucoup de travail. Il faut aller chercher l'écorce du bouleau. Ce n'est pas tous les boulots qui donnent ce genre d'écorce-là. Il faut aller loin. Après ça, il faut prendre des, racines, des petites racines pour mm -hmm. faire le, le fil. Il faut prendre la résine pour sceller les coins. Faire un panier, c'est beaucoup de travail. Si tu peux aller dans un magasin à un dollar, où ça coûte un dollar, mm -hmm. ou je ne sais pas trop combien ça en Allemagne, qui va prendre le temps de faire un panier en écorce? On va prendre le panier en plastique. Le résultat, c'est qu'en une génération, on va perdre le savoir pour faire le panier en écorce. Mm -hmm. Alors, elle, a insisté pour qu'on puisse, qu'on continue, que la famille fasse de l'artisanat parce qu'elle voulait qu'on garde le savoir, mm -hmm. le panier, les pots. Moi, j'ai vu, dans la maison d'Almanda, il y avait un petit appenti derrière et j'ai vu donc euh, mon oncle Armand qui est en train de faire un canot en écorce. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont encore aujourd'hui capables de faire un canot en écorce parce que c'est encore plus de travail qu'on qu imagine qu'un qu mm -hmm. panier, même si c'est le même principe. Il y a toute la structure, plier le bois, choisir les pièces de bois qu'on va plier, qui vont faire la forme. Mm. Alors, elle a défendu ça. Ça, pour elle, c'est une manière de s'assurer que la culture reste. Mm. Les ont étaient ceux qui ont combattu pour qu'on qu réintroduise l'enseignement de linnu la langue Innu, à l'école. Parce que quand les jeunes Innu ont commencé à aller à la même école que les Québécois, où on enseigne le français, mais c'est là que la simulation a commencé, que la langue a commencé à se perdre. Puis c'est Almada et ses enfants qui ont milité pour qu'on force à apprendre les aux enfants nous à l'école. Mm -hmm. C'est quelqu'un qui, au plan politique, les gens me racontaient, elle aimait ça, parler politique, allemande. elle demandait à discuter avec le chef. Et je raconte une un anecdote dans le roman où elle est allée, il y avait un problème dans, dans, dans la communauté de sécurité, puis il n'y a pas Donc, personne, on va s'entendre, ouais. qui va se préoccuper de ce qui se passe dans une réserve autochtone à cette époque-là, mais elle a pris le train, elle est descendue à Québec, puis elle est descendue, dans, elle a cogné au bureau du Premier ministre du Québec. Là, habillé il faut voir mmh. comment elle est habillé avec comme quatre épaisseurs de jupes le bra la pipe à l'assemblée nationale c'est comme ici là je veux dire, tu sais. ça m'a ouais. impressionné la pipe la femme ouais. qui ouais. fume il pipe quand... qui prend sa robe pour euh, ouais. l'allumer ouais. oui. allumer la pipe <laughs> ouais. et sa force de résilience de euh, vigilance aussi à l'égard ouais des changements euh, dans la nature euh, par le train qui arrive dans son village juste devant sa maison. <laughs> euh... Mais la maison est encore là. Mm. Puis c'est très drôle parce que, comme le livre est très populaire euh, au Québec... Noël, il y, lourdes... y a des voyages touristiques là-bas. Oui, là les, touristiques, les touristes débarquent. Ils vont ouais. tous à la maison euh, du touriste puis ils veulent voir la maison Quel succès. de Cocom. Ils essaient de rentrer à l'intérieur pour prendre des photos. Uh -huh. C'est que là, ils disent plus c'est où. Mais là... Elle, quand le train, évidemment, quand, quand ils ont construit le chemin de fer, ils n'ont pas passé sur les terres des fermiers. Mm -hmm. Ils ont passé sur la réserve. Et, euh, et la maison d'Almada était collée. Je dire, la maison est comme ici, du chemin de fer. Mm -hmm. Puis elle a refusé qu'on déplace la maison. Puis quand, quand, quand le train passait dans la maison, là, les armoires tremblaient, la vaisselle <coughs> brassait. Puis les gens avaient peur souvent. Puis Allemande, elle disait train. Quel train? Il n'y a pas de train ici. Pas de train. Pour elle, le train n'existait pas. C'était sa manière de résister à ça, non? Non, non je ne vois rien, j'entends rien. Et, vous savez quoi? Et, entre-temps, le train ne passe plus. Hein? Le train ne passe presque plus. Alors, moi, je pense Parce que, que... c'est aussi la modernisation. Euh, et voilà. Les... Et, et donc, Almanda a été plus forte que le chemin de fer, pour le faire quand même. Mais donc, il y avait, il y avait cette volonté-là. En plus, je veux dire, c'est quelqu'un qui... Elle avait gardé de la culture euh, blanche la, le goût de la lecture. Elle emportait des livres mm. quand elle était en forêt. Mais là, Il faut savoir que quand la famille partait en forêt, ça prenait un mois se rendre. Mm. Tout ce qu'on avait besoin, on le portait sur notre dos. Les enfants avaient leur part. Tout le monde portait sa part canaux vaisselle, nourriture, les tentes. Exactement, tout ça. Mm. Alors apporter des livres en plus, c'est comme beaucoup, mais elle le faisait pareil. C'est ça lit. la force de la culture. Et voilà. Et elle lisait le soir dans la tente. Mm. Et ma grand-mère racontait que quand elle était jeune, Almanda leur lisait des livres dans la tente. à la chandelle baissait, puis comme ça à ses mm. enfants. Imaginez dans une tente, dans, en forêt. Elle lit. Puis ma, ma grand-mère ne comprenait pas pourquoi sa mère voulait lire des livres. Mm. Parce qu'elle est née dans, en forêt. C'était la seule qui avait des livres sur tout le territoire de Nitestinan. Mm. Alors, les gens, des fois, la voyaient comme un peu une excentrique. Mais je pense qu'elle savait aussi ce qui s'en venait. Elle voyait aussi ce qui s'en venait dans euh, de la culture blanche. Fait qu'elle voulait aussi préparer ses enfants. Mm. Et moi, je trouve que, quelque part, cette femme-là qui aimait la littérature assez pour emporter dans l'Itacinan et dans le territoire des livres et les lire à ses enfants presque mm. de force, ben de voir que son histoire est appréciée par des gens ailleurs dans le monde et ici, en Allemagne, je pense qu'elle sourira avec nous puis elle prendra un verre de vin. <laughs> je pense aussi. Euh, euh, votre... Euh... Roman raconte non seulement cette vie de nomade très dure, très difficile pour elle, elle a 15 ans seulement quand elle oui. arrive là-bas, mais c'est aussi le sens de la liberté qu'elle éprouve oui. par ses euh, promenades dans, dans la nature, par ses, ses escalades, par euh, ses voyages oui. en nous, mais euh, elle apprend aussi la langue inou. Et ça, euh, ça m'a frappé. Euh, euh, vous avez un chapitre euh, langue ouais. aïmoun, euh, Inu aïmoun. Euh, Inu aïmoun euh, Et là, euh, vous euh, racontez qu'en Inou, il n'y a pas de distinction entre genre féminin et masculin. C'est étonnant. Comment on fait ça la Ça reflète la société mm -hmm. où euh, il n'y avait pas une ségrégation, en guillemets, homme-femme à l'époque parce que si on compare avec ce que c'était chez les sociétés occidentales, en forêt, chacun avait son rôle. Bien sûr, les rôles n'étaient pas les mêmes. Les femmes, qui étaient donc celles qui portaient les enfants, souvent étaient obligées de rester au camp. Donc les femmes s'occupaient du campement, faisaient la chasse autour, les hommes allaient plus loin, etc. Mais, mais c'est une langue qui est très, 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 très euh, sophistiquée. Les linguistes disent d'ailleurs que ce sont des langues qui sont très fines. Et par exemple, c'est une langue qui, au lieu... Une des difficultés, c'est qu'il n'y a pas comme on, La plupart des langues qu'on a, c'est il y, y a un sujet, verbe, complément, il y a des adjectifs. J'en parle un peu dans le livre, mais il n'y a pas comme, mettons, euh, euh, neige, prune, mm. mais il n'y pas comme de la neige mouillée, de la neige blanche, de la neige sale, de la neige fondante. C'est toujours... Mais en Inou, il y a un mot différent pour chacun. C'est comme inouï aussi. Hein? Inuit. Exactement, ils ont la même chose. Alors, il faut savoir chacun de ces noms-là. Et ce que ça a comme conséquence pour la langue, c'est qu'à partir du moment où la vie a changé et que les gens ont cessé de vivre dans le territoire après qu'ils aient été forcés de vivre dans les réserves, ben tous ces mots qu'ils utilisaient, il a fallu en créer d'autres dans les réserves. Et aujourd'hui, il y a très peu d'Inus qui parlent encore l'Inu original, mm -hmm. celui du territoire, seulement quelques anciens. Mm -hmm. Euh, euh, au Canada, euh, quand je suis allé là-bas, j'ai été frappé par un signe, un détail. « Je me souviens » est inscrit sur les plaques d'immatriculation des automobiles au Québec. Euh, c'est une fameux, formule patriotique, mais c'est aussi le début d'un vers de Paul Verlaine. « Je me souviens des jours anciens et je pleure ouais. ». Euh, à quoi pensez-vous euh, quand vous vous souvenez euh, du passé de votre peuple ben on est, Parfois, on aurait le goût de, de rajouter :« Je me souviens de quoi ?» Parce, oui. parce que, parce que, c'est vrai que la, la devise du Québec, c'est « Je me souviens », et, et ça imprime quelque chose de ce que sont les Québécois, qui sont très attachés à, à ce pays-là qu'ils ont bâti, qu'ils ont défendus dans un océan anglophone en Amérique du Nord, qui sont très fiers de leur langue. Et j'en suis, parce que moi, je parle français. C'est la langue que j'ai appris à, à la naissance, parce qu'on n'était pas dans la communauté. Mais euh, les Québécois ignorent tout de ce qui s'est passé sur le territoire où ils habitent aujourd'hui, avant qu'eux soient là. Et pendant longtemps, ils n'ont eu aucune curiosité pour ça. Ça commence à changer mm -hmm. actuellement. Dans les livres d'histoire... On n'enseigne pas ce qui s'est passé avant l'arrivée de Jacques Cartier en 1534. Je fais de la blague ici, mais c'est comme si ici, en Allemagne, on ne s'intéressait pas aux Romains. Les Romains, c'était pas des Allemands, on habitait ici, mais qui s'intéresserait vraiment aux Romains. Tu sais? mm. Mais nous, c'est ça. On s'intéresse à, à ce qui s'est passé en, en, au Québec, au Canada, à partir de l'arrivée des Blancs. Avant ça, c'était des peuples barbares qui passaient. Mm. Et, et ça, à l'école, pensait... nous, ouais. les ancêtres, les Gaulois, ouais. euh, étaient obligés euh, pour les gens qui ont appris le français. Ouais. Euh, c'est ça. Alors que les Français, eux, leurs ancêtres, <laughs> c'est les Francs, c'est même pas les Gaulois. Puis, il y, il y... Mais, euh. mais nous, au Québec, on n'est on pas comme ça. Alors, nous, en fait, même mieux que ça, c'est quand on étudie les livres à l'école, on est avec les Français pendant la guerre de 100 ans, contre mm -hmm. les Anglais. Là, puis après ça, à partir de 1534, on est rendu avec le Canada. Ah, oui. Alors, les gens n'ont pas de souvenir de ce, qu -ce qui s'est passé sur le territoire. Et aujourd'hui, c'est encore un problème parce que ça, ça rend difficile l'acceptation du partage du territoire mm -hmm. entre autochtones et allochtones. Mm -hmm. Parce que les gens ont l'impression que si les autochtones font des, des demandes, que c'est comme enlever leur légitimité sur le territoire où ils vivent, où leurs parents ont bâti le pays. Mm -hmm. Fait que si on a le malheur de dire oui, mais c'est parce qu'on a aussi des droits, oui, oui, c'est correct de, de le dire, mais. Changer les choses, c'est compliqué parce qu'à ce moment-là, les gens ont l'impression qu'on leur a une partie de ce qu'ils ont construit. C'est une partie du problème avec lequel doit vivre le Canada et le Québec aujourd'hui. Mais comment on peut sauvegarder euh, vos cultures, euh, vos langues? Euh, euh, Est-ce que l'État peut aider? Comment, quelle quelle euh, stratégie euh, à euh, déployer pour euh, sauvegarder? Euh, moi, je pense qu'il faut d'abord euh, trouver une forme de, de plus grande indépendance administrative et financière pour les, euh, les, euh, les communautés autochtones, mm. euh, pour qu'elles puissent elles-mêmes gérer ce genre de choses-là. Et euh, sans ça, ils se retrouvent toujours à avoir à, à faire affaire avec des fonctionnaires de l'État, etc. Puis même quand les gens sont de, sont de bonne intention, je veux dire, au Canada, on est quand même un pays généreux où les gens sont sont ouverts. Je n'en ai pas dans un pays où les gens sont hostiles, mais tu peux pas comprendre comment l'autre pense, qu'est-ce que l'autre veut faire si t'as pas marché dans ses mocassins. Mais ça, ça va être un long chemin, moi, mm -hmm. je pense. Il faut, faut d'abord commencer par reconnaissance, le droit aux autochtones d'exister, d'être là et de reconnaître qu'ils ont des droits. Puis ça, est, on n'est pas encore rendu là, je pense. Mm -hmm. et, vous venez de dire que vous ne voulez pas porter des mocassins en ville et vous venez de me euh, euh, raconter euh, que, que vous êtes en train de publier un roman euh, sur la vie quotidienne des indigènes qui vivent à Montréal. Ouais. Dans votre roman, euh, votre grand-mère est également, euh, même si elle défend euh, avec toute sa force sa vie euh, actuelle, elle n'est euh, pas hostile, tout, totalement hostile au changement. Euh, L'histoire euh, ouais. des indigènes est euh, une histoire d'adaptation, de changement. Ouais. Et ce une... Pas une, une, on ne peut pas revenir en arrière et recréer une histoire originale, originaire. Non, pas non je ne pense pas qu'il y ait personne qui pense ça. On ne peut pas à repartir à zéro. Non, mais vous savez par exemple. Euh il y avait l'année passée, là, puis ça, ça recommence maintenant cet automne encore. Il y avait euh, des, euh, des Algonquins. Ils sont un peu au nord de Montréal. Il y a une pourvoirie. C'est endroits où les touristes vont chasser, pêcher là-bas. Ils arrivent en avion, ça coûte très cher. Puis ils ont un territoire immense où ils chassent, pêchent. Les Américains, beaucoup, qui vont là, ils, ils, ils retirent à peu près 1000 orignaux par année, les chasseurs. Les Algonquins qui vivent là, eux, depuis je ne sais pas combien de millénaires, peut-être, ils retirent en moyenne 300 les orignaux, c'est une petite communauté. Et eux, les orignaux, c'est pas pour faire le panache au-dessus du foyer quelque part au Wisconsin. C'est pour manger, parce que c'est leur nourriture qu'ils vont chercher. Même chose pour le poisson, ils vont pêcher, pas à la mouche parce que c'est un loisir de battre le poisson. Ils mettent des filets puis ils ramassent les poissons dont ils ont mangé. L'acte de pêcher, de chasser, est pas un jeu pour un autochtone. C'est un geste social, c'est un geste pour se nourrir. Mais les autochtones, ils se plaignent depuis des années que il euh, y a de moins en moins d'orignaux. Mm -hmm. Les gouvernements n'écoutent pas les Autochtones parce que le, le pour, la pourvoirie génère des emplois. Le village à côté a besoin de la pourvoirie qui génère des emplois. Depuis 20 ans, les Autochtones se plaignent. On manque de chevreuils, on manque d'orignaux, etc. Personne ne les écoute. Ils sont obligés de faire une barricade, barrer le chemin. La police vient, etc. Ça aurait été simple de les écouter dès le départ, de répondre à ça. Mais pour le gouvernement et les élus, les besoins de l'industrie, donc de la pauvreté sont plus importants que... Alors, on est là. Mm -hmm. On est encore à ça au Canada. Finalement, c'est un même combat pour nous en Allemagne. C'est un combat écologique de Absolument. préserver non seulement les langues et les cultures, mais aussi la nature. Oui, et la différence entre, les, entre mettons, les Occidentaux et les Autochtones... C'est que dans, chez les Occidentaux, l'homme et la femme, l'humain, est en haut de la pyramide de la vie. On apprenait ça à l'école, la pyramide de la vie, et en haut, il y a l'humain. Après les mammifères. Puis ça finit avec les amibes en bas et tout ça. Chez les Autochtones, l'homme est au milieu, fait partie de la chaîne. En haut, en fait, c'est l'ours, qui est comme un homme quand il se lève debout, mais en plus gros et en plus fort. Et quand un, 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 un Innu va, par exemple, tuer un animal, ben il pense que c'est l'animal qui se sacrifie. Pour permettre aux autres de vivre, mmh. ils ne tueront pas plus que ce qu'ils ont besoin. Ils vont tuer souvent l'animal le plus faible. Ça aide le, le troupeau. C'est comme un prédateur qui aide le troupeau à éliminer les plus faibles. Ils vont. J'étais allé chez ma cousine euh, il y a deux ou trois ans, puis il y avait des os suspendus aux arbres. c'est quoi ben, pour rendre... ils, ont, ils avaient tué des animaux. On suspend les os autour pour les remercier puis honorer l'esprit de l'animal qui a donné sa vie. Mmh. Alors. Dans l'Occident, l'évolution du monde c'est une flèche. Depuis les Romains, on fait comme ça. Mais là, on <laughs> commence à se dire que, à cause de l'environnement, la flèche, là, on, on se pose la question jusqu'où ça peut aller. Pour les autochtones, c'est un cercle la vie. L'univers est un cercle. On naît, on grandit, on meurt. On est jeune, nos parents s'occupent de nous. Plus tard, on s'occupe de ses parents. Il y a un vieux sage qui avait dit que, les, que, que, que le Créateur avait créé la vieillesse. Pour obliger les enfants à s'occuper de leurs parents comme les parents se sont occupés de eux mm. plus tard. Alors, il y a, y a et, et dans le monde autochtone, il n'y a jamais eu de surpopulation, il mm. n'y a jamais eu de surconsommation. Il n'y a pas le principe, par exemple, d'accumuler la richesse. Mm. Les, les Blancs se surprenaient. Par exemple, dans la famille, on arrivait l'été, ils avaient tué beaucoup de peau, il y avait beaucoup de peau, il y avait de l'argent. Les gens dépensaient leur argent. Mm. Et les Blancs trouvaient les, les Autochtones frivoles parce que. Dans la mentalité française et anglaise, on garde de l'argent pour les mauvais jours, mais un inou se dit que ce qu'il a de plus précieux, il doit être capable de l'emporter avec lui, parce qu'il ne sait pas où il va être l'an prochain. Donc, et il sait que si jamais il y a un problème, les autres autour vont l'aider. Ce n'est pas la même mentalité. Mm -hmm. Cette mentalité-là, elle existe encore aujourd'hui. Elle est simplement mal comprise. Euh, il y avait aussi cette idée de potlatch, de donner pour. Euh euh, euh, se prendre l'autre et cette idée de donner, c'est aussi euh, l'idée de l'écrivain qui donne euh, ce qu'il a éprouvé aux autres, aux lecteurs. Mais euh, peut-être qu'il y a quand même une sorte de réconciliation possible dans la tradition euh, philosophique occidentale. Il y a aussi des penseurs comme... Nietzsche qui a également parlé de l'éternel retour du même ou euh, des idées euh, des idéologues, des philosophes français comme euh, Gilles Deleuze qui a parlé du rhizome, euh, c'est-à-dire cette euh, relation souterraine entre les différentes communautés. Est-ce que vous pensez que, comme votre grand-mère a vécu cette euh, connaissance de l'autre, c'est possible? Absolument. Moi, je pense que oui. Et j'y crois, d'ailleurs, parce que... C'est une des raisons pour laquelle j'écris. Hum. Je veux dire, quand les, quand les gens lisent Kokum, ils comprennent. Et un livre est capable de, de s'adresser pas seulement à l'intellect d'une personne. On va s'adresser à l'âme, au cœur, on va ressentir ce que les... Si, ça, si le livre marche, tu ressens ce que les personnages marchent, vivent, et si tu le ressens, je ne suis pas obligé de te l'expliquer. Donc, ça ouvre les cœurs, ça ouvre les âmes, ça ouvre les, 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 les esprits. Depuis que comme est paru au, au Québec, je j'en ai encore eu ce matin, je répondais, chaque jour, des gens qui me disent « Merci, j'ai enfin compris. » Les gens ne savaient pas. Et je pense qu'un des problèmes, c'est ça. C'est que pendant longtemps, les gens ne savaient pas. À partir du moment où les gens savent, les gens sont capables d'ouvrir les bras. Et je pense qu'au au Canada, oui, il y a beaucoup de gens qui qui sont assez rébarbatifs quand on parle de réconciliation, mais il y en a encore d'avantage qui sont qui ouverts. Sont enfin, moi j'y crois, mm -hmm. j'y crois. Je suis optimiste parce que je pense que, je pense qu'au Canada notamment, les gens sont, c'est quand même un peuple euh, conciliant. Mm -hmm. Alors, il y a des points de tension, mais un jour, ça va, se, ça, on va arriver à, à, à éliminer ces frictions-là. C'est comme un gros mal de dos, il que quelqu'un masse longtemps. Et peut-être que vous pourriez euh, imaginer ou faire nous imaginer cette utopie d'une Canada futur. Mais vous savez moi je trouve que ce qui est important et, et j'ai beaucoup d'amis autochtones qui pensent la même chose, c'est qu'on soit ici par exemple et qu'on en parle vous et moi puis que les gens soient là. Pour nous c'est crucial parce que pendant longtemps le débat il s'est fait comme les chasseurs dont je vous parlais tantôt qui se plaignaient au gouvernement. Et que le gouvernement répondait pas. Je veux dire, c'est l'histoire du Canada depuis le début. Maintenant, on est ici, on en parle, les gens le savent, les gens en entendent parler. Le gouvernement du Canada ne peut pas dire euh, il se passe rien. Les Canadiens doivent à un moment donné réaliser que on n'est plus dans un monde fermé où on peut faire les choses, disposer des peuples mm -hmm. sans, 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 sans leur demander leur avis. Et ça, je trouve que c'était pour, pour les Autochtones, comme on dit souvent. J'ai un de mes amis qui disent souvent, on a besoin d'alliés. On mm -hmm. appelle les alliés nous. Et, et, et donc, on a de plus en plus d'alliés. Chaque lecteur, mm. chaque lectrice est un ou une allié. Ah, moi j'aime ça être celui dont le mandat c'est de trouver des alliés. Mm. Je crois que vous pourrez trouver des alliés aussi en Allemagne avec la traduction en allemand de ce livre de ce roman Coucou de Michel Jean publié chez Visa Visa Falak c'est un, une maison d'édition euh, en Autriche ouais. euh, qui s'occupe justement en, euh, pour les relations entre les peuples euh, entre les frontières pour passer des ponts entre les frontières et je rappelle euh, également le nom de votre tradu traducteur Michael von kilisch hahn Merci beaucoup, euh, Michel. Merci Jean, beaucoup. pour euh, être venu ici. Une Merci beaucoup. Et voilà, bonne journée. Merci.